Et salut les Zookeepers, on est parti pour ce 19e épisode. Alors, comme promis, l'Oristerops du Cap va donc arriver, on va mettre un petit couple, va donc arriver dans notre zoo. Alors, dans cet épisode, 2-3 modifications par rapport à ce qui était prévu. Bon, de toute façon, vous commencez à me connaître, hein, je change d'avis tout le temps. Pas mal de déco aussi. Maintenant qu'on a le pognon, j'ai envie de dire. J'arrête pas de le répéter, mais vu qu'on a du pognon, autant en profiter, on va commencer à décorer. Alors, c'est un peu pénible quand c'est dans la nuit, je le reconnais. Mais je laisse en lecture pour que l'argent rentre, que tout ça progresse, que les animaux vivent. Donc, comme vous pouvez voir, voilà, ça, je l'avais fait un peu trop vite. Après avoir fait d'autres essais sur un autre parc, hein, comme je vous expliquais, j'ai un espèce de zoo à essais. On peut dire ça comme ça. Finalement, c'était trop large, trop grand, trop machin. On verra plus tard. On verra plus tard. On va essayer d'avancer sur autre chose, voilà. Donc là, hop, un espèce de rond-point, parce que pour une fois, le zoo va s'étendre donc vers le rond-point, là, et autour du rond-point, et ça sera plus un truc circulaire que j'ai un peu trop tendance à faire dans mes zoos. Voilà. On va, vous allez voir, rajouter, après avoir fait arriver les oris, ce machin truc du cap, j'arrive jamais à prendre Oristerops du cap. On va faire venir une tortue. Voilà, j'essaye vraiment de prendre tous les animaux qui seraient proches, qui font partie du continent africain. Vu que Madagascar fait partie du continent africain et que les trucs du Seychelles, c'est juste au-dessus, j'ai dit, allez hop, on va rajouter encore une bestiole, c'est pas plus mal. Et je me rends compte, il faut absolument que je pense, lorsque je ferai le prochain épisode, à lier le... comment appelle-t-on ça déjà? L'enclos de la tortue, que vous allez voir bientôt, dans une zone. Parce que sinon, personne ne s'en occupera. Et la tortue, elle va un peu crever dans son coin. Ah là, voilà. Bon, on continue un peu à décorer à droite, à gauche. Alors, on a relativement... pas beaucoup de problèmes avec les animaux, je dois le reconnaître. Alors, de temps en temps, des bagarres à droite à gauche. Là, par exemple, pendant cet épisode, les scarabées, aucune reproduction. J'étais inquiet, mais je me suis rappelé après que dans l'épisode d'avant, on les avait, entre guillemets, pas stérilisés, mais on leur avait donné des contraceptifs pour arrêter, parce que ça allait trop vite. Ça allait trop vite, bien trop vite. Mais bon... pour le prochain épisode, on les remettra en route, histoire qu'ils nous fassent un peu d'argent. Donc on est parti pour la tortue géante des Seychelles. On va en mettre qu'une seule. Pas besoin d'en mettre deux. Elles vivent tellement vieilles qu'elles sont une attraction à elles toutes seules. Voilà, c'est ça l'idée. Et je pense pas que les tortues, même si elles se reproduisent, génèrent beaucoup d'argent ou d'intérêt. Donc voilà, tac, un petit enclos habituel. On aura gardé vraiment le même thème pour tous les enclos pendant ce zoo, et c'est pas plus mal finalement. Ça lui donne vraiment un côté, je sais pas comment dire, un côté vraiment, c'est vraiment un zoo qui pourrait être situé en pleine savane africaine, de par la nature des murs, de par la nature des décorations, le fait que ça soit pas... de la super élaboration décorative, même si, bon, on commence vraiment, vraiment, vraiment à foutre du décor dans tous les sens. Alors, on va faire un petit aparté dans cette vidéo pour vous expliquer 2-3 trucs. Donc, la semaine prochaine, vous n'êtes pas sans savoir que je pars à la montagne. Voilà, voilà. Je vais donc essayer de prendre un peu d'avance sur les épisodes pour que vous ayez au moins vos 2 épisodes de franchise la semaine prochaine. C'est déjà ce que je suis en train de faire. Parce qu'en fait je vous parle de semaine prochaine, mais on est là tant que vous regardez cet épisode. On est déjà à la semaine où je suis en vacances. Je suis actuellement, si tout s'est bien passé, à la montagne. Donc il m'en reste un finalement à faire. C'est les autres épisodes que là, les autres séries, on va dire. Je suis pas sûr d'avoir le temps de faire grand chose à l'heure où je vous parle. C'est même sûr, j'ai pas eu le temps d'avancer, donc on verra. Il me reste 3 jours pour le faire, on verra bien.
Voilà, c'était le petit aparté. C'est difficile de se situer dans le temps, parce que je vous parle à un moment où je sais déjà ce qui s'est passé. Enfin, voyez, c'est compliqué. Je vous parle à un moment où vous savez déjà ce qui s'est passé ou pas, parce qu'on est déjà lundi, mais moi, je suis en train d'enregistrer ça le jeudi, pour le lundi d'après. Moi, je suis en vacances. Enfin, bref, c'est un bazar. J'ai l'impression d'être Marty McFly dans Retour à le futur. Il faut pas que je fasse de faille temporelle. Voilà, voilà. C'était n'importe quoi. J'avais envie de dire n'importe quoi en réussissant à placer Retour à le futur. Voilà donc. Alors, la tortue, elle est placée. Les petits cochons à grandes oreilles du Cap sont placés aussi. Je me suis dit, allez, on va remettre des toilettes. Simplifie-toi la vie. Le thème, c'est l'Afrique. Et claque, voilà. Et par contre, ce qui va être différent, c'est qu'on va rajouter juste à côté... Ah là, un truc d'information qu'il va falloir que, évidemment, on décore juste après. La tortue étant arrivée, on va la placer dans son enclos. On commence vraiment à avoir beaucoup d'animaux. On est à 4 étoiles. Alors ça, c'est pas mal. On commence un peu à avancer. Le pognon, on fait plus attention à ça. On en a largement. Normalement, 1600... je vois là, en regardant la vidéo, qu'on était à 1600 visiteurs. Donc normalement, on ne devrait pas tarder à remplir le défi qui était de 1500 sur une année. Ou quelque chose comme ça, je sais plus ce que c'est. Ou enfin, je sais plus, mais il me semble qu'il y avait l'histoire de 1500. Donc on devrait y être. Allez, pour finir, cet épisode, un peu de décoration à droite et à gauche. Comme d'habitude, quand c'est en timelapse, vous allez avoir des photos fixes. Et oui, j'adore les photos fixes. Ensuite, à la fin, je vous demande, comme d'habitude, de bien vouloir mettre un pouce, un commentaire, à cliquer sur la cloche, surtout sur la cloche pour que ça vous prévienne quand je fais les vidéos. Abonnez-vous et dans la description, allez voir les vidéos de mes collègues. C'était Cébus, tchuss.